Allô, je sais même pas ce que je vais faire là. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Vraiment, excusez-moi. D'abord, avant de commencer, je me présente d'abord. Écoutez bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Moi, c'est Sagat Ambarat. Et ma copine s'appelle Agathe. J'aime les maths, les pâtes et les filles grosses comme les patates. Sauf que quand je les vois, dans mon cœur, ça gratte et j'ai hâte de passer à l'acte. Et là, ça dépend des dates que je rate avant que mon frère me contacte. S'il insiste, je le frappe avec une latte. Et s'il abuse, je le formate. C'est mon nom. Mais vraiment, il y a un problème. Oh, Djadji. Non, laissez, je vais vous expliquer. Attends, d'abord, j'appelle le gars là. Mon voisin, mon beau-frère là. Allô? Ça sonne, oui. Allô? Mounjéo? Mounjéo, tu as vu, non? Le matin, j'avais une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que madame m'a mis les bagages dehors. Tu vois, j'étais déjà content. Toutes les petites qui me poussaient au quartier, je devais commencer à damer one-one. Mais ce qui m'énerve, c'est que ce bandit, un rigolo, mon voisin, il ose me prendre les bagages, il remet dans la maison. Pourquoi? Est-ce que c'est normal? Hein? Non, c'est vrai. Moi, les voisins de Tibi, tout ça, je ne veux plus. Je préfère quand même les voisins de la Sablière. Oui, à la Sablière, c'est mieux parce que là-bas, chacun est dans sa barrière. Là-bas, il n'y a pas un autre voisin, donne-moi un peu le sel, mais le cube. Il n'y a pas ça là-bas. Je cherche une maison à la Sablière. 15 625, sans charge. Oui, douche, salon, tout extérieur. D'accord. D'abord, attends, c'est elle qui m'appelle là-même. Attends, coupe, 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 coupe. Allô? Oui, 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 bébé. Non, 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 je suis content. Tu m'as remis les bagages, oui. Je suis content. Mais amour, je t'aime, oui. Tu disais quoi? Tu as faim? Non, mais c'est pas un souci. Je vais te laisser 300 sur la table là-bas. Bon, 300, tu vas faire quoi avec 300? Mais 300, tu vas chez Yamado, tu prends même une boîte de sardines. Il y a le manioc à la maison, mange. Toi aussi. Hein? Tu veux plus de cette vie-là? Pourquoi? Bébé, pardon. Tu me quittes? Non, s'il te plaît, fais pas ça. Ne me quitte pas. On a déjà arrangé les problèmes. Eh, hey, bébé, pardon. Rappelle-toi à l'époque, quand j'avais encore un peu d'argent. Eh, hey, tes parents chantaient souvent. Quand j'avais mes millions, hey, tout le monde me respectait. Tes tantes m'appelaient Yaya. Hey. Tout le monde m'enviait. Tes cousins m'appelaient Tonton. Hey. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Tu veux m'abandonner? Bébé, pardon. Donc, tu insistes, hein? Tu insistes. Ok, insiste. Ça me rappelle le petit qui chantait la dernière fois là. Il m'avait bien dit, hein? Grand. Mani dam sulago, tu mama makaduma, mani dam sulago. Il m'avait bien dit ça. Oui, maintenant tu oses me quitter. Bon, comme tu me quittes, moi aussi je te quitte. D'accord. Chacun ses problèmes. Oui, je te quitte. Je suis sérieux. Oui, j'ai aussi un frangin qui a chanté. Il a chanté aussi une chanson qui m'a aidé et qui m'aide à te quitter. Il m'a dit, ne regarde plus derrière, va de l'avant. Ne regarde plus derrière, il va de l'avant. Mon Dieu, Jésus, ça c'est le problème. Ça. Il a dit, mon Dieu. Il...